On est parti. C'est parti. T'as les billets. Vous avez prévu une nuit comment alors? Ça va être dodo ou ça va être top? Non, dormir c'est tricher. Donc non, pas dodo. On va faire le grand chelem. Bah, le grand chelem, ça va être le bar, ne pas dormir et retour au bar en fait. Donc on va tester le Hidden Night. Il y a deux DJ qui sont en place là. Je dois aller où exactement? Dans la voiture 14. Hey, tu peux pas partir sur ah, deuxième voiture à gauche, madame. Dors pas très bien. Petit problème point de vue pour dormir. Mais sinon c'est sympa, bonne ambiance, tout, c'est cool quoi. Bonne boîte. L'interdiction de fumer dans le train, bien sûr, tu ne fumeras point. Tu ne transporteras point l'alcool. Tu n'arriveras pas sur le train ou dans un état plus qu'avancé. Voilà, donc après il y a d'autres commandements bien sûr, mais bon. Ah non, nous on n'a pas le temps de danser. Hein. Nous on est là pour travailler, pas pour danser. Parce qu'on fait des rondes toutes les 45 minutes, ce qui rassure les gens, s'il y a besoin des problèmes au cas où. Voilà, donc nous sommes là pour travailler, on n'est pas là pour faire la fête. Voilà, on est payé, pas pour danser. Dans un TGV déjà c'est assez spécial et puis ça m'avait repensé à Guetta et puis l'avion semble comparé à lui mais mixé dans un à 300 km/h ça peut être je me suis dit ça peut être une bonne expérience. Moi je suis surtout très électro progressive, assez underground, mais là ce soir je vais passer beaucoup de morceaux accessibles, un peu de commercial quand même. Et je vais me faire plaisir surtout, voilà. Et puis me faire plaisir aux gens. Là ça fait 10 minutes que ça a commencé, un quart d'heure, et ça commence à se remplir, donc ça commence à être sympa. Ouais, pas plus cher qu'en boîte en fait, dans les 6 euros. Voilà. Bon, petit coup au début de soirée, histoire de voir un peu comment ça se passe. Le concept est très bien. Je pense que ça va se généraliser. À la première. Je te remercie pas. J'ai un copain qui a pris un billet cet après-midi là, ça commence à. Ah oui, ça commence à donner. Mais bon, c'est pas le but du jeu. Hein. On va y arriver. Merci. Tu vas où avec ça, ami? Ami, tu vas où? Non, j'ai planqué ça un peu partout dans le train et puis après sur le chemin du retour, je vais faire le petit poussé dans le ligne TGV. Thank you.
Je vais essayer justement de me coucher, on verra ce que ça donne, mais ouais, c'est peut-être le petit problème, quoi. Mais bon, à la base, les gens, ils sont avertis, quoi, parce qu'ils savent qu'on est là pour soi-disant faire la fête, donc bon, ceci, ça fait partie du concept. Putain, il est là-dedans. Putain, il est deux.